Phnom Penh, capitale du Cambodge, se prépare à recevoir le général de Gaulle. Le palais royal où résidera le président de la République n'a jamais semblé plus élégant. Tout le long des boulevards, des banderoles célèbrent l'amitié franco-khmer et souhaitent la bienvenue au général de Gaulle. Drapé dans les trois couleurs, la capitale attend le premier des Français et le premier président de la République française lui rendant visite en un siècle de relations très étroites. Des milliers de drapeaux des deux pays flottent le long des avenues, sur les monuments publics et même sur les jardins, à la française bien entendu. Les délégations des jeunes étudiants sont les plus enthousiastes et le sourire est sur toutes les lèvres. Sa Majesté la Reine et le chef de l'État en tenue nationale accueillent le général de Gaulle à sa descente d'avion. La foule applaudit et clame sa joie. Le silence se fait pendant que le général de Gaulle et le prince Norodom Sihanouk, face au drapeau des forces armées royales khmer, écoutent la Marseillaise et le Nokori. Revue des troupes, soldats de l'armée de terre, aviateurs, marins. Le général s'approche de la foule qui applaudit, les délégations des provinces, les minorités ethniques, les étudiants, et serre les mains qui se tendent. Aux dieux la nouvelle de l'arrivée de celui que le prince va qualifier de symbole d'une France chère au cœur de 6 millions de Khmers. Le président de la République gagne alors la tribune des hautes personnalités. De ravissantes jeunes filles à la fois timides et confiantes sèment sous ses pas des pétales de fleurs, comme le veut une antique tradition qui réserve cet hommage aux plus illustres des hôtes du pays khmer. Sous les tropiques et le cortège quitte l'aéroport pour la ville. Debout dans la voiture de tête, le général répond inlassablement aux acclamations de 400 000 personnes qui se pressent sur son passage et jusqu'aux abords du palais illuminé en tricolore comme il se doit. Le lendemain, dans la matinée, le président de la République doit recevoir le corps diplomatique et les plus hautes personnalités du royaume réunies en la salle du trône. Par les jardins du palais. Mais il n'est pas de déplacement sans les porteurs de parasols et les licteurs en costumes anciens.
Immédiatement après cette cérémonie, le général quitte le palais en voiture découverte pour se rendre à la fête des eaux. Parmi les invités, de nombreux résidents français, diplomates, professeurs, membres de la mission militaire. La célèbre fête des eaux se déroule traditionnellement chaque année en novembre. Elle marque le renversement du cours du Tonlé Sap avec la fin de la saison des pluies. Plus poétiquement, les Khmer affirment qu'il s'agit du retour des dagas fertilisateurs dans le lit des rivières et des fleurs. En ce dernier jour d'août, elle est un hommage exceptionnel du peuple khmer rendu à l'illustre visiteur. Plus de 100 pirogues, montées chacune par une quarantaine d'hommes robustes, sont rassemblées. Elles sont arrivées au lever du jour, venant des villages riverains. On remarquera que les piroguiers se sont confectionnés des casaques bleues, blanches ou rouges, avec le souci de pavoiser eux aussi aux couleurs françaises. Les premières courses n'opposent que deux pirogues à la fois. Leurs équipages ne ménagent pas leurs efforts, mais tous ont les yeux fixés sur la tribune où se tiennent les deux chefs d'État. Souverains d'Angkor offraient des fêtes grandioses comprenant des feux d'artifice. Depuis lors, les grandes cérémonies nationales se terminent toujours par des bouquets multicolores et des pluies d'étoiles préparées par les artificiers du palais.
voici un autre défilé qui glisse lentement sur les eaux du fleuve, celui des gens illuminés. Chacune de ces embarcations porte des allégories correspondant aux ministères et services du royaume. Cette tradition antique revêt également un caractère religieux. C'est un hommage au Thévoda, gardien du Cambodge. L'état de Kiam Karmon, exemple de la nouvelle architecture khmer, le prince Norodom Sihanouk offre un dîner de gala en l'honneur du général et madame de Gaulle. Le président de l'Assemblée nationale, l'inspecteur général des forces armées, les membres du gouvernement royal sont présentés aux hôtes de la nation. La soirée artistique terminera cette première journée de la visite présidentielle. La princesse Bhopa Devi, fille du chef de l'État et étoile du ballet royal, conduit la danse de souhait, spécialement créée dans le plus pur style classique par Sa Majesté la Reine. En bleu, blanc et rouge, les somptueux costumes brodés d'or et d'argent ont été exécutés à cette occasion par les meilleurs artisans attachés au ballet royal. La princesse Bhopa Devi va présenter un collier de jasmin au président et à madame de Gaulle. Les danseuses feront pleuvoir des pétales de fleurs pendant que le cœur s'adresse aux dieux. Que tous les bienfaits dispensés par Indra comblent de bonheur nos hôtes respectés, leur grand pays et son peuple. De la chorégraphie classique, nous passons maintenant au folklore des montagnards des provinces du Nord-Est. Un village célèbre une des grandes fêtes annuelles et les rites prévoient le sacrifice d'un buffle. Au rythme des gongs de bronze, les hommes armés de la lance miment la mise à mort de l'animal, offert aux puissances surnaturelles. De bière de riz contenue dans une grande jarre vernissée. Et voici les chœurs des élèves de l'Université royale des beaux-arts. Écoutons-les interpréter Le soir où je t'ai rencontré. Une composition du prince Norodom Sihanouk. C'est à nouveau le ballet royal avec la princesse Bhopa Devi. Il présente une légende très populaire, Neang Kayu Monoria et Freya Sepran.